Welkom allemaal. Welkom op het nieuwe webinar van het Federaal Planbureau. Vandaag neemt onze collega Dominique Guzbin u mee op een terugblik op 20 jaar lange termijn energievooruitzichten. Alvast bedankt daarvoor, Dominique, om het webinar te willen geven. Het webinar duurt ongeveer een uurtje. Na een presentatie van een 40-tal minuten zal Dominique met heel veel plezier antwoorden op uw hopelijk talrijke vragen, opmerkingen en suggesties. U kunt die vragen stellen via de chat. En dan rest mij nu niets anders meer dan Dominique het woord te geven en u allemaal een fijn webinar te wensen. Dominique, veel succes en het woord is aan u. Merci beaucoup Yannick. Bonjour à tous et à toutes que je ne vois pas. En tout cas, un tout grand merci de votre participation. Donc effectivement, je vais vous présenter aujourd'hui quelques résultats d'une publication qui est sortie en décembre de l'année dernière, donc en décembre 2020. Et je dirais que c'est un petit peu le contrepoids de la présentation que Danielle a faite en décembre dernier, puisqu'elle vous a montré, j'ai d'ailleurs utilisé la même petite image, elle vous a fait faire un bond dans l'avenir à l'horizon 2050 lorsqu'elle a présenté son papier Fuel for the Future. Et moi, aujourd'hui, je vais faire un petit bond vers pardon, le passé et je vais revenir au début des années 2000, donc il y a 20 ans d'ici. Alors pourquoi début des années 2000? Et bien parce que c'est depuis 2001 que le Bureau fédéral du plan publie des perspectives énergétiques à long terme pour la Belgique. Ce sont des publications récurrentes qui paraissent tous les 3 ans. Et donc si on compte bien, on a jusqu'à présent 6 éditions. Donc la première date de janvier 2001 et la dernière d'octobre 2017. Alors si on fait un calcul très simple, 2017 plus 3, ça fait 2020. Et donc on se serait attendu à une 7e édition des perspectives énergétiques à long terme en 2020. Mais ça n'a pas été le cas. Il y a plusieurs raisons à cela, mais une des raisons, c'est l'absence d'un ancrage européen récent auquel accrocher les perspectives énergétiques belges. En effet, on a pris l'habitude dès le départ, donc dès 2001, d'essayer autant que faire se peut de fonder nos perspectives énergétiques pour la Belgique sur des exercices européens analogues qui nous permettent d'assurer une cohérence en termes d'évolution des prix internationaux des combustibles, en termes d'évolution du taux de croissance du PIB à très long terme, etc. Alors ces perspectives récentes n'existent pas. Les dernières en date publiées par la Commission européenne ont été publiées en 2016. Alors il y a des perspectives qui sont actuellement en cours d'élaboration. Elles auraient dû paraître début de cette année, mais on les attend encore, donc j'imagine que la publication ne devrait pas tarder. Alors, nous ne sommes pas restés les bras croisés en 2020, et cette situation nous a permis finalement de concrétiser un projet de longue date, un projet qui consiste donc à réaliser et à publier une analyse rétrospective des perspectives énergétiques antérieures. Alors, l'analyse rétrospective des perspectives énergétiques poursuit essentiellement 4 objectifs. Premier objectif, comparer les projections avec les statistiques. Deuxième objectif, comprendre l'origine des écarts. Troisième objectif, éclairer les utilisateurs sur les arcanes statistiques et méthodologiques. Et enfin, tirer les enseignements de cette analyse et épingler les bonnes pratiques pour les exercices ultérieurs. Alors la publication d'analyses rétrospectives pour des perspectives énergétiques, ce n'est pas très habituel en fait. À ma connaissance, il n'y a que l'administration américaine de
l'information sur l'énergie qui réalise tous les 2 ans de telles analyses rétrospectives. Il faut savoir qu'ils ont une très longue expérience de perspective énergétique, puisque tous les ans, cette administration publie des perspectives énergétiques depuis le début des années, la fin, pardon, des années 1970. Par contre, si l'analyse, réaliser des analyses rétrospectives n'est pas chose courante pour les perspectives énergétiques, c'est beaucoup plus traditionnel pour les perspectives à court et économiques à court et à moyen terme. Dans ce cas, elles sont plutôt qualifiées d'analyses post-mortem et le Bureau fédéral du plan qui réalise le budget économique et des perspectives économiques à moyen terme réalise de telles analyses post-mortem sur une base régulière. La dernière en date a d'ailleurs été publiée fin de l'année dernière. Alors, ces 4 objectifs que sont structurer, comprendre, éclairer et apprendre finalement, donc ces 4 objectifs qui constituent le fil rouge de notre analyse rétrospective, sont également les objectifs qui fondent l'intérêt et l'utilité des perspectives énergétiques elles-mêmes. Alors, en effet, pour reprendre un extrait que l'on retrouve dans toutes les publications de l'EIA, donc l'administration sur l'information de l'énergie. Il faut vraiment être conscient que les perspectives énergétiques ou les projections qui sont publiées ne sont en aucun cas des déclarations sur ce qu'il va se passer, mais bien sur ce qu'il pourrait se passer. Étant donné un ensemble, un nombre d'hypothèses et étant donné la méthodologie, le cadre méthodologique sous-jacent à l'élaboration de ces perspectives. En d'autres termes, pour être plus précis, on devrait d'ailleurs même parler pour être clair dans la communication, il s'agit toujours de perspectives conditionnelles. Alors, pour mieux expliquer ce qualificatif de conditionnel, il est utile de préciser les différents points d'ancrage des perspectives énergétiques. Alors, le premier point d'ancrage, c'est le cadre économique général qui influence l'évolution du système énergétique. Alors, ce cadre économique général comprend notamment les perspectives démographiques, les perspectives macroéconomiques et également l'évolution des prix internationaux des énergies. Alors, quelques exemples pour montrer le lien direct qui existe entre ce cadre économique et les perspectives énergétiques. Mais 2 exemples concrets, les perspectives de population ont évidemment un impact sur les besoins énergétiques pour le chauffage des bâtiments résidentiels, pour la mobilité des personnes, et les évolutions macroéconomiques et en particulier de l'industrie ont également un impact sur la consommation énergétique de l'industrie, mais également sur la consommation énergétique du transport de marchandises. Alors pour bien faire, il faut que donc ces perspectives démographiques et macroéconomiques sont elles-mêmes réalisées par le biais de modèles. Et pour bien faire, pour avoir une cohérence temporelle entre les deux, il faut évidemment que ces perspectives soient élaborées, je dirais, à un moment très proche de celle des perspectives énergétiques. Deuxième point d'ancrage, ce sont les statistiques énergétiques. En effet, les perspectives énergétiques s'appuient immanquablement sur des chiffres, sur des statistiques énergétiques disponibles au moment de leur élaboration. Alors, cette partie de phrase est importante, c'est vraiment disponible au moment de leur élaboration. Or, il faut savoir que des statistiques énergétiques, ce n'est en aucun cas des données statiques, mais elles évoluent au cours du temps, elles sont révisées, elles sont adaptées, elles sont modifiées pour prendre en compte une meilleure connaissance des éléments des bilans énergétiques, mais également
pour prendre en compte des évolutions méthodologiques qui suivent finalement l'évolution des politiques énergie-climat. Troisième point d'ancrage, c'est ce qu'on pourrait appeler l'ère du temps. Alors, l'ère du temps ou les préoccupations du moment. En fait, les perspectives énergétiques, forcément, elles sont influencées et elles reflètent les questions politiques du moment en matière énergétique et climatique, et elles reflètent également les orientations technologiques qui sont envisagées pour y répondre. J'illustrerai ce point un peu plus tard dans ma présentation. Quatrième point d'ancrage, qui en fait n'est pas un point d'ancrage, mais un non-point d'ancrage, un peu comme les non-anniversaires d'Alice au Pays des Merveilles, c'est ce qu'on pourrait regrouper sous le vocable aléa et bouleversement. Donc ce sont vraiment toutes ces choses qui sont imprévisibles, mais qui ont un impact indéniable sur l'évolution du système énergétique. Alors comme la période qui nous intéresse dans cette analyse rétrospective est la période 2000-2015, ben, cette période n'est pas restée en reste. Pour ne citer quelques événements importants qui ont eu une influence sur le système énergétique, il y a la flambée des prix du pétrole et du gaz à partir de 2003 jusqu'en 2014. Il y a eu la crise financière en 2008. Il y a eu également une des conséquences de cette crise financière qui est la fermeture de la phase à chaud à Liège en 2012 et également entre 2012 et 2015 des fermetures inopinées de plusieurs réacteurs nucléaires qui ont eu un impact sur la disponibilité de ce mode de production. Et enfin, dernier point d'ancrage des perspectives, c'est évidemment le modèle mathématique est à la base des calculs et depuis le début, en tout cas jusqu'à présent, le modèle sur lequel que nous avons utilisé pour réaliser les perspectives, c'est le modèle énergétique PRIMES, également utilisé par la Commission européenne. Alors quand on dit modèle, ce n'est pas seulement les équations qui le constituent, mais c'est évidemment tous les inputs, tous les paramètres, toutes les hypothèses qui sont nécessaires pour le faire tourner. Alors les nombreuses incertitudes que je viens d'évoquer, les marges d'erreur, les aléas sont inévitables, mais ne sauraient affaiblir l'intérêt des perspectives énergétiques pour la politique énergétique et ne sauraient non plus affaiblir la validité des tendances. Alors j'ai repris ici un extrait d'une très vieille publication, une publication qui m'a été donnée par un ami il y a plusieurs années, une publication qui date de 1964, étude sur les perspectives énergétiques à long terme de la communauté européenne, on ne parlait pas encore de l'Union européenne, et c'est une étude qui avait été réalisée par la haute autorité de la commission de la communauté européenne du charbon et de l'acier, donc la fameuse CECA. Alors pour terminer sur ces préambules, je ne peux m'empêcher de citer un autre extrait de cette publication qui permet vraiment de bien cadrer le mode d'emploi des perspectives énergétiques. Alors je cite, « Le but des perspectives énergétiques n'est pas de dévoiler l'avenir, mais de regrouper dans un cadre cohérent les facteurs essentiels d'ordre technique, économique et politique qui gouvernent le système énergétique et de chiffrer ensuite les éléments de l'offre et de la demande d'énergie. » Donc, ce ne sont pas des prévisions. Il y a un cadre structurant qui permet de les réaliser. Et alors, je m'attarde un instant sur la dernière partie de cet extrait, c'est le chiffrage. Alors, le chiffrage ou la quantification est un élément primordial des perspectives énergétiques et des perspectives en général d'ailleurs. Ce chiffrage permet d'appuyer le débat et ultérieurement les décisions politiques sur des résultats plutôt que sur des opinions ou des convictions. Alors un dernier slide que je vais passer en revue très rapidement parce qu'il demanderait beaucoup trop de temps
si je voulais en étudier tous les éléments. Donc, c'est vraiment le cadre de cette analyse rétrospective. Alors, tout d'abord, il faut savoir que nous n'avons considéré dans notre analyse rétrospective que les trois premières éditions, donc l'édition de 2001, 2004 et 2007. Alors, pourquoi uniquement ces trois premières éditions? Ben, simplement parce que il n'y a que ces trois-là qui offrent plus de 2 années de comparaison entre les projections et les statistiques. En effet, le modèle utilisé fonctionne par pas de 5 ans. Et donc, pour la première édition, on peut faire une comparaison pour les années 2000, 2005, 2010, 2015, et pour les deux autres, les 3 dernières années, donc 2005, 2010, 2015. Autre élément que je voudrais faire ressortir de ce slide, ce sont les scénarios qui ont été considérés dans cette analyse rétrospective. Alors, il y a pour chaque édition, on a sélectionné le scénario de référence ou le scénario à politique inchangée. Vous avez ici les cut-off dates, en fait, pour caractériser ce qu'on entend par politique inchangée. Et alors, un scénario alternatif parmi un éventail qui ont été publiés. Et les trois scénarios alternatifs qui ont été retenus dans cette analyse rétrospective, c'est dans la première édition le scénario Kyoto permanent, qui est un scénario où on a prolongé jusqu'à la fin de la période de projection, l'objectif du protocole de Kyoto, qui est donc de réduire de moins 7,5% les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990. Dans la deuxième édition, on a pris un scénario qui promeut un développement plus important des sources d'énergie renouvelable et de la cogénération. Et dans le dernier, un scénario de réduction des émissions de CO2 également, qui est le scénario CO2 moins 15%. Alors, venons-en maintenant au. Dominique, Oui? we gaan u eventjes moeten onderbreken, want we krijgen de boodschap door dat mensen hun vragen niet kunnen stellen via de chat. Ok. Dus we stellen voor dat mensen die vragen hebben, hun vragen mailen naar mij, naar het e-mailadres yt@plan.be, zoals de mensen normaal nu kunnen zien via het scherm, via de slide die gedeeld wordt. Dus stel gerust uw vragen via die weg. En dan zorgen wij dat die vragen Dominique bereiken, zodanig dat de vragen toch nog tijdens het webinar kunnen beantwoord worden. Sorry voor het ongemak. Bedankt voor uw begrip en ik geef het woord graag terug door aan Dominique. Dominique, sorry voor de onderbreking. Geen probleem, Yannick. Et pas de problème si vos questions, si on n'arrive pas à répondre à certaines de vos questions, ben je pourrai y répondre par email également. Voilà. Alors donc, après ce long préambule, peut-être venons-en maintenant au résultat de l'analyse rétrospective proprement dite et commençons par les 4 premiers objectifs comparés. Comprendre et éclairer. Alors, pour éviter de vous noyer d'indicateurs, je vais dans cette présentation me focaliser sur 3 exemples, mais peut-être avant de les décrire, vous communiquer quand même la conclusion générale de cette analyse rétrospective. Alors, cette conclusion générale, quelle est-elle? Mais on voit que dans les scénarios à politique inchangée, les perspectives ont toujours été surestimées sur la période 2000-2015 par rapport aux observations. Alors, Dominique, quelque part, oui? je slides zijn niet meer gedeeld. Je moet opnieuw je slides stellen. Ah. Voilà, décidément. C'est le premier du mois, ça doit être ça. Oui, donc je voulais vous partager avec vous donc la conclusion générale de cette analyse rétrospective. Donc, une surestimation systématique dans les scénarios à politique inchangée de la consommation totale du pays.
consommation énergétique totale du pays. Alors, ce n'est pas vraiment une surprise, puisque, comme le terme l'indique, il s'agit de scénarios à politique inchangée, et dans un contexte évidemment de développement de la politique climatique, et puis après de la politique énergétique avec la promotion des sources d'énergie renouvelable, ben, on s'attend immanquablement à une réduction de la consommation d'énergie. Néanmoins, comme on le verra dans les exemples concrets, ce n'est pas le seul élément qui a joué, qui explique en tout cas ce degré de surestimation. Il y en a d'autres. Alors, c'est à l'inverse, et ça c'est logique également, dans les scénarios alternatifs, on a une réduction du degré de surestimation des perspectives énergétiques. Et je dirais que de manière fortuite et étonnante, on a même dans les scénarios de réduction des émissions de CO2 une assez bonne concordance des indicateurs, je dirais, généraux, comme la consommation d'énergie primaire, la consommation finale d'énergie, entre les perspectives et les statistiques. Alors, je dis bien que c'est une concordance fortuite, parce que si l'on creuse un petit peu plus au sein des secteurs ou du mix énergétique, on voit qu'il y a des différences et qu'au bout du compte, toutes ces différences s'annulent mutuellement pour arriver à cette cohérence. Alors, surestimation de la consommation d'énergie dans les scénarios à politique inchangée. Alors, cette surestimation, elle touche toutes les formes d'énergie sauf les sources d'énergie renouvelable, mais elle touche plus particulièrement parmi les sources d'énergie fossiles, le gaz naturel. Alors, vous voyez sur ce graphique une illustration de cette surestimation. Donc, il est extrait de la première édition des perspectives, donc celle de 2001, où vous voyez représenter donc les besoins totaux du pays en gaz naturel, en kilotep en 2015, selon le scénario à politique inchangée, le scénario Kyoto permanent, et vous avez tout à droite les statistiques. Alors, ce scénario montre non seulement le degré de surestimation globale, mais montre également les variations selon le secteur consommateur de gaz naturel. Vous avez ici la production d'électricité, l'industrie et le résidentiel et le tertiaire. Alors, pour faire le lien entre ce résultat et les points d'ancrage que j'ai mentionnés au début de ma présentation, ben, on voit que la surestimation de la consommation de gaz naturel a essentiellement deux origines, le cadre économique général et également, je dirais, l'air du temps qui s'appelait à l'époque la ruée vers le gaz ou en anglais le « dash for gas ». Alors, si vous regardez ici, sous le point 1, l'évolution du taux de croissance annuel moyen du PIB, donc qui est un des indicateurs qui caractérise le cadre économique général, vous voyez effectivement qu'on a surestimé ce taux de croissance dans les perspectives de 2001 par rapport à la croissance de l'activité économique effectivement observée. Donc, on a des taux de croissance qui variaient entre 2,6% et 1,8% en fin de période, donc entre 2010 et 2015, alors qu'au bout du compte, on n'a jamais eu des taux de croissance qui ont excédé les 2%. Donc ça, c'est une première partie de l'explication. La deuxième partie de l'explication, donc cette ruée vers le gaz naturel. Alors, pour mieux comprendre cela, il faut se replacer dans le contexte du début des années 2000. C'est un contexte où on avait des prix bas sur les marchés internationaux. C'est également un moment où s'est développé de manière importante le marché intérieur du gaz naturel et les infrastructures de transport.
Il y a également la caractéristique du gaz naturel qui est de pouvoir être utilisé pour de nombreux usages. Et alors, dans ce contexte de protocole de Kyoto, le fait que parmi les combustibles fossiles, c'est le gaz naturel qui a la plus faible teneur en carbone. Et donc, tous ces éléments qui étaient réunis au début des années 2000 ont vraiment placé le gaz naturel sur un piédestal, et c'est ce piédestal qui a été qualifié donc de ruée vers le gaz. Alors, si je retourne au slide précédent, on voit que la surestimation de la consommation de gaz naturel vient surtout de la production électrique. Donc, à titre d'illustration, dans le scénario à politique inchangée et tous usages confondus, on a une surestimation de 66% en 2015. Pour le seul secteur électrique, on a un facteur 3 entre les perspectives et les statistiques. Alors, comme ici, ce sont des unités peut-être moins familières pour la production d'électricité, donc des kilotep. Je représente ici à droite un petit peu la traduction de cette constatation en termes de production d'électricité à partir des centrales au gaz. Donc vous voyez que le degré de surestimation est vraiment considérable. En 2015, dans le scénario à politique inchangé, on projetait une production électrique de l'ordre de 65-70 TWh, alors que dans la réalité, on n'était qu'à 25 TWh. Donc une différence de 40 TWh pour une production électrique totale qui avoisine les 80-90 TWh. Donc c'est vraiment une surestimation considérable. Alors, comme je vois que le temps avance très vite, je vais peut-être passer le dernier élément très rapidement. Donc, on voit que donc degré de surestimation dans le scénario à politique inchangée, mais également surestimation dans le scénario de réduction des émissions de CO2. En effet, on a un impact à la baisse de la consommation de gaz naturel, mais pas suffisant pour rencontrer les observations. Et là, ça vient essentiellement de l'impact d'une valeur du carbone qui est introduite. Donc, c'est un aspect un peu technique sur lequel je vais peut-être revenir ultérieurement. Mais la mise en œuvre de ces scénarios de réduction des émissions de CO2 se fait par le biais de l'introduction d'une valeur du carbone qui joue sur les prix relatifs des énergies et favorise automatiquement les formes d'énergie les moins carbonées. Or ici, comme on était dans un contexte de prix bas pour le gaz naturel, on a déjà énormément de gaz naturel dans le scénario de référence. Et donc la seule manière, je dirais, de répondre à cette valeur du carbone, c'est de réduire les consommations. Alors si la ruée vers le gaz projetée dans les perspectives énergétiques ne s'est pas réalisée, c'est la proposition inverse qui s'applique aux sources d'énergie renouvelables. Alors contrairement, donc comme on le voit sur ce graphique, qui cette fois-ci est issu de la troisième édition des perspectives énergétiques, donc celle de 2007, on voit qu'on a une sous-estimation importante de la consommation, de la production de sources d'énergie renouvelables. Vous avez les chiffres précis sur la droite. Alors ici, les éléments explicatifs ou de compréhension sont à voir au niveau des statistiques énergétiques. Donc je me rapporte toujours ici au point d'ancrage. Sont à chercher auprès des statistiques énergétiques et de la modélisation. Alors plus concrètement, pour les statistiques énergétiques, donc je l'ai dit, les statistiques énergétiques sont modifiées, sont adaptées, sont améliorées, etc. Il faut savoir que les statistiques énergétiques ont subi d'importantes révisions pour les sources d'énergie renouvelable en 2000. Et donc finalement, les années ou les données statistiques sur lesquelles
sont partis, les premières éditions des statistiques énergétiques ne sont pas celles que l'on peut consulter actuellement sur le site d'Eurostat. On a des différences vraiment importantes de l'ordre de 20 à 30%. Deuxième élément, c'est un petit peu un élément plutôt d'adaptation des bilans énergétiques à l'évolution des politiques, c'est qu'on ne voit apparaître la production électrique du solaire photovoltaïque à partir de 2003. Donc au moment des deux premières éditions des perspectives énergétiques, on partait simplement d'un chiffre égal à zéro et donc c'est extrêmement plus difficile, je dirais, de faire des projections pour une technologie qui n'existe pas au moment du point de départ des perspectives que lorsqu'elle existe. Les biocarburants n'ont été rapportés dans les bilans énergétiques qu'à partir de 2009, alors que l'obligation d'incorporation date de 2005. Et enfin, ce n'est qu'à partir de 2013 que les bilans énergétiques ont fait la distinction entre les déchets renouvelables et non renouvelables. Deuxième élément de compréhension des écarts entre projection et statistiques, c'est la modélisation. Mais donc de nouveau la modélisation au sens large. Dans un premier cas, il s'agit des hypothèses et il faut savoir que donc dans le courant des années 2000, ce sont surtout les sources d'énergie renouvelables pour la production d'électricité qui ont fait l'objet d'une attention particulière. Les autres sources d'énergie renouvelables sont plutôt apparues après 2005, 2003, 2005. Alors le premier élément à épingler, c'est l'évolution des coûts d'investissement. Alors on voit que les hypothèses qui ont été posées pour l'évolution des coûts d'investissement de l'éolien onshore, offshore, du solaire photovoltaïque, ces hypothèses étaient beaucoup trop optimistes au regard de ce qui s'est effectivement passé. Et deuxième élément, c'est un élément qui est lié au potentiel de développement des sources d'énergie renouvelables. Alors, ce n'était pas le cas pour la première édition de 2001, mais c'était le cas pour les éditions de 2004 et de 2007. Nous avions introduit à l'époque des contraintes exogènes pour limiter le développement des sources d'énergie renouvelables. Et finalement, on se rend compte que la réalité a vraiment été tout autre. Et ces contraintes exogènes ou ces plafonds, ces limitations, était à l'époque basée sur les travaux de la commission Ampère et puis après sur les travaux de la commission Énergie 2030, sur des jugements d'experts, mais qui était basée, je dirais, sur la connaissance des technologies à ce moment-là. Alors pour revenir donc au graphique, on voit à nouveau que la sous-estimation est particulièrement importante au niveau de la production électrique. Ça représente, si l'on compare les statistiques et le scénario de référence, la moitié de l'écart. Alors, il s'agit ici essentiellement de biomasse, d'éolien et de photovoltaïque, mais je dirais surtout de photovoltaïque. Donc, c'est surtout au niveau du photovoltaïque que le degré de sous-estimation est important. Mais, contrairement à ce qui s'est passé à ce que je vous ai montré pour le gaz naturel, il y a également de la sous-estimation de consommation de renouvelables dans les autres secteurs, où là, il s'agit essentiellement de biomasse sous forme solide ou sous forme liquide, comme les biocarburants. Alors, on voit que dans le scénario de réduction des émissions de CO2, donc ici, pardon, le scénario CO2 moins 15%, on a une réduction du degré de sous-estimation, mais pas suffisant que pour réduire l'écart. Et je reviendrai sur ce point à la fin de ma présentation. Alors, dernier exemple, c'est l'exemple de la consommation finale d'énergie de l'industrie. Donc, à nouveau, un graphique qui vous montre un exemple qui illustre ce qui se passe.
Donc ici, il est tiré de l'édition de 2001. Donc vous voyez une surestimation à politique inchangée de la consommation finale d'énergie de l'industrie et une relative concordance, mais je ne vais pas m'attarder sur ce point, pour le scénario Kyoto permanent. Alors ici, la surestimation à politique inchangée vient du cadre économique. Donc je l'ai dit, la crise financière de 2003 avec son impact sur les taux de croissance du PIB, mais également de l'activité économique des différents secteurs qui constituent l'économie belge. Donc je ne vais pas y revenir. Mais il y a également deux éléments sur lesquels je souhaiterais m'attarder. Ce sont à nouveau la problématique liée aux statistiques énergétiques et alors ce que j'ai résumé sous le terme d'aléa, donc un bouleversement important qui a eu une influence non négligeable, dirait un ancien collègue, sur la consommation finale d'énergie de l'industrie. Alors, de quoi s'agit-il? Alors, pour les statistiques énergétiques, on constate qu'il y a eu des révisions statistiques vraiment très, très importantes sur la période 2005-2015. Elles ont en fait surtout commencé à partir de 2003. Et ces révisions statistiques ont surtout ont concerné le sous-secteur autre industrie. Donc c'est un petit peu ce que l'on ne classe pas dans les autres branches industrielles caractérisées par un ou plusieurs codes NAS bien particuliers. Alors la correction qui a été apportée aux statistiques énergétiques est vraiment importante. Vous voyez qu'en 2015, c'est une adaptation qui est de l'ordre de 1 million de TEP. 1 million de TEP, c'est 9% de la consommation finale totale de l'industrie. Donc c'est vraiment un élément important et qui est cohérent avec la surestimation dont j'ai parlé précédemment. Deuxième élément explicatif de ce degré de surestimation, c'est l'évolution de la consommation énergétique dans la sidérurgie. Alors pour mieux le comprendre, vous avez ici un graphique qui compare la production d'acier entre les perspectives énergétiques, et plus particulièrement celle de la première édition de 2001, et l'évolution effectivement observée. Donc en pointillé, vous avez les statistiques, et les petits bâtonnets vous montrent les projections. Alors, il faut savoir que l'acier est produit selon deux filières. Il y a la filière intégrée ou la filière au fourneau et la filière électrique, donc où l'acier est produit grâce à des fours électriques. Alors, vous voyez sur ce graphique qu'on n'était pas du tout au début des perspectives énergétiques, on n'avait pas du tout anticipé, en tout cas, une baisse. Tout d'abord, la baisse de la production d'acier selon la filière au fourneau entre 2000 et 2007, juste avant la crise financière de 2008. Et on n'a certainement pas anticipé non plus l'arrêt de la phase à chaud à Liège, qui a eu un impact vraiment très très important sur la production d'acier et par là également sur la consommation énergétique de l'industrie. Il faut savoir qu'en 2000, la sidérurgie représente 35% de la consommation finale de l'industrie. En 2015, on passait sous la barre des 20%. Donc, comme je l'ai dit, surestimation qui provient essentiellement de la sidérurgie, ça représente 55% de l'écart en 2015 et des autres de cette modification statistique pour les autres industries qui représentent 40% de l'écart en 2015. Alors, cette surestimation, elle concerne, je dirais, pratiquement tous les combustibles, toutes les formes d'énergie, mais plus particulièrement les combustibles solides, donc le charbon utilisé
dans cette filière au fourneau, le gaz naturel, j'en ai parlé, et également l'électricité. Alors j'en viens à la conclusion ou à mon dernier slide qui concerne donc le quatrième objectif de l'analyse rétrospective, c'est tirer les enseignements et épingler les bonnes pratiques. Alors, première chose, c'est de se rendre compte, enfin, on s'est rendu compte en tout cas par le biais de cette comparaison, mais on s'en a rendu compte bien plus tôt, c'est qu'il y avait, je dirais, un lien particulier entre la réduction des émissions de CO2 et les sources d'énergie renouvelable. Pour le dire autrement, au début des années 2000, l'objectif premier, c'était vraiment l'objectif de réduire les émissions de CO2. Et c'est pour ça que dans les scénarios correspondants, on introduisait un signal prix pour justement réduire les émissions de CO2. Alors, ce que l'on voit, c'est que finalement, ce signal prix joue un rôle, mais il n'est pas suffisant pour, je dirais, susciter, pour faire démarrer les sources d'énergie renouvelable. Pour cela, on voit que pour, je dirais, assurer le démarrage de l'essor des sources d'énergie renouvelable, on a besoin de mettre en œuvre des politiques de soutien, et c'est effectivement ce qui s'est passé d'ailleurs en 2002 avec l'introduction des mécanismes des certificats verts, mais également de manière plus concrète, parce que c'est une constatation qui a été également observée pendant les travaux de la Commission européenne, travaux préparatoires pour le paquet énergie-climat de 2020. C'est ce qui a suscité donc la définition d'un objectif spécifique pour les sources d'énergie renouvelable. Donc, en plus de l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Deuxième élément que je voulais souligner, c'est le lien entre consommation d'énergie, efficacité énergétique et comportement. Donc, l'évolution de la consommation énergétique n'est pas uniquement déterminée par la technologie, l'amélioration des rendements, par la réponse au prix en diminuant sa consommation, mais dépend également du comportement des agents économiques et en particulier des ménages. Et ces comportements sont évidemment particulièrement complexes, ont de multiples facettes et sont extrêmement complexes également à modéliser. Et donc il faut savoir que dans ce type de modélisation, on a toujours une simplification de la réalité, une simplification de ces comportements où on considère un agent représentatif et non pas une multiplicité d'agents avec ses caractéristiques propres. Un troisième élément, c'est sur lequel je veux particulièrement insister, c'est le rôle essentiel des statistiques. Alors, pas du tout pour dire qu'elles ne doivent pas être modifiées, donc ce n'est pas du tout le propos, parce que ça, de toute façon, je crois que c'est une bonne chose qu'elles soient mises à jour et développées, mais je voudrais mettre l'accent sur le fait que pour pouvoir réaliser des perspectives énergétiques ou des perspectives de quelque nature que ce soit, on devrait pouvoir disposer de davantage de statistiques et de statistiques beaucoup plus détaillées, parce que plus on dispose de statistiques, plus on a une assise solide pour les analyses prospectives. Quatrième élément important et sur lequel je voudrais insister, c'est que le système énergétique belge dont on a évalué l'évolution, n'est pas un système isolé, c'est un système qui est ancré au cœur de l'Europe. Et donc, dans les premières éditions des perspectives énergétiques, on n'avait pas de manière très intégrée ou très cohérente, je dirais, cette composante européenne. C'est une composante qui est venue vraiment en s'amplifiant
avec l'intégration de plus en plus forte, par exemple, des marchés de l'électricité, avec les interconnexions. C'est également une composante qui est devenue tout à fait primordiale dans le cadre de la définition des politiques énergie-climat. Et en particulier, lorsque l'on veut étudier l'évolution des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur ETS, il faut savoir que c'est un système européen et que le prix d'équilibre des quotas d'émissions sur ce marché européen est défini, n'est pas défini à un niveau national. Alors, dernier élément, et je terminerai là-dessus. Pour réaliser des perspectives énergétiques, il y a en fait deux voies complémentaires qui peuvent être poursuivies. La première voie, c'est ce qu'on pourrait appeler des analyses stratégiques. La voie qui a été poursuivie jusqu'à présent pour les perspectives énergétiques à long terme. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit essentiellement de définir un éventail de scénarios, un scénario de référence et puis des scénarios alternatifs, des scénarios de politique énergétique et climatique qui sont évalués par rapport à ce benchmark, à ce scénario de référence. Alors, à côté de cette voie, il y en a une deuxième. C'est une voie qui consiste à étudier des visions contrastées de l'évolution du système énergétique à long terme. Et c'est une voie que l'on a explorée, je dirais, de manière quantitative et détaillée pour la première fois en 2020. Et je vais donc boucler la boucle et reciter le papier de Daniel Fuel for the Future qui a été présenté l'année passée et qui est exactement, qui poursuit ce type de voie en matière de perspective énergétique. Je vous remercie. Alors, je vais maintenant donner la parole à Yannick et peut-être considérer les questions qui ont été posées. Thank you, Val. Dominique, ik ga nu terug de slide proberen delen die daar straks zichtbaar was met mijn e-mailadres. Dus uw vragen kunt u mailen naar yt@vlaanderen.be. En dan ondertussen zijn er al een paar vragen binnengekomen. Dominique, kunt die in de presenter chat lezen. En misschien ook al proberen beantwoorden. Ik zie dat uw collega Daniel ook al een antwoord heeft geformuleerd. Oh. Maar ik vermoed dat het beste is dat u dat antwoord ook luid op leest. Want mensen kunnen uiteraard niet meelezen. Je vais voir si Daniel. Donc, il y a une réponse de Monsieur Lambrecht sur les centrales au gaz. Donc, le fait qu'on ait surestimé la consommation de gaz pour. Non, il y a effectivement. Il n'y a vraiment aucune conclusion que l'on peut tirer par rapport à la sortie du nucléaire. Donc, ici, cette surestimation de la consommation de gaz naturel et en particulier pour la production d'électricité, elle est vraiment liée à cette surestimation de la croissance économique. Elle est également liée à la sous-estimation des sources d'énergie renouvelable et elle est également liée à l'évolution de la consommation finale d'électricité. Donc, je n'ai pas parlé ici, mais il se fait que dans les trois premières éditions des perspectives énergétiques, on avait des taux de croissance de la consommation électrique qui étaient beaucoup plus élevés que ce que l'on a observé en pratique. En pratique, on a, je dirais, entre 2005 et 2015, pratiquement pas vu d'augmentation de la consommation finale d'électricité. Et donc, c'est simplement le fait que les centrales en gaz ont vraiment subi de plein fouet tous les éléments qui ont pu lui être défavorables. Mais donc, pas de lien de cause à effet dans le cadre de la sortie du nucléaire. Question sur les projections. Ces projections macro sont reprises. Ah oui, alors les projections macroéconomiques, donc tout ça est décrit dans la publication. Je vois que Daniel a aussi répondu. Vous avez également à la fin des slides qui seront, je crois, placés sur notre site internet, j'ai repris
les hypothèses démographiques, macroéconomiques et d'évolution des prix des combustibles. Alors, Rupkestelt, Isenberg is focused the years to drill van Vouvre, et dans oui. Vous avez tout à fait raison, et c'est un peu l'enseignement que je tirerai en concluant ma présentation. C'est qu'effectivement, on ne peut pas considérer l'évolution du système énergétique belge en faisant abstraction des pays voisins et de l'Europe, des pays européens, et c'est vrai, essentiellement l'Europe centre ou ouest pour ce qui est de l'électricité. Et donc c'est bien pour ça que, dans le cadre des dernières éditions des perspectives énergétiques, on a toujours voulu s'ancrer sur des exercices analogues réalisés par la Commission européenne pour tenir compte le plus possible justement de ces éléments européens. Alors moi, je ne vois pas d'assis. Dus, de vraag, misschien meegeven dat de mensen kunnen de vraag niet zien, dus ik zal anders de vraag luid oplezen. Dus de vraag is, wie zijn de belangrijkste stakeholders? Wie gebruikt deze energievooruitzichten en waarom? Dat is de vraag die nu gesteld wordt. Alors, je dirais que les perspectives énergétiques sont utilisées par plusieurs stakeholders. Je dirais qu'il ne se passe pas, il ne se passe pas des semaines où on n'a pas des demandes extérieures sur nos perspectives énergétiques, parfois simplement des références, mais parfois des informations plus détaillées. Alors ça peut être aussi bien des organisations qui regroupent par exemple des producteurs d'électricité, ou des transporteurs, des TSO, ça peut être aussi des universités, ça peut être des étudiants, ça peut être des administrations, ça peut être des bureaux d'études, voilà. Alors, étonnamment, on a peut-être un petit peu moins de relais auprès des décideurs politiques, mais là, je dirais que c'est aussi peut-être dû à la difficulté de traduire ces perspectives énergétiques en termes politiques. Et là, je ne pourrais que citer ce que le secrétaire d'État Thomas d'Hermine a dit lors d'une conférence il y a quelques semaines d'ici, en disant qu'il y avait une différence entre policy et politics, et que peut-être il y a certainement un travail à faire pour établir une passerelle entre ce type de résultat et la politique à proprement parler. Er is een nieuwe vraag binnengekomen. De vraag luidt: welke lessen kunnen we trekken en hoe kunnen vooruitzichten verbeterd worden uit deze retrospectieve analyse als het gaat over breakthrough technologieën die nodig zijn voor een klimaatneutrale toekomst? Alors, je crois que la leçon que l'on peut tirer, c'est un petit peu. C'est que c'était effectivement extrêmement complexe, extrêmement compliqué de modéliser des technologies émergentes. Tout simplement parce que on n'a pas de retour sur. On n'a pas d'informations précises sur les caractéristiques technico-économiques de ces technologies. C'est extrêmement difficile de dire, non seulement de donner un coût d'investissement, mais de dire à quel rythme il va diminuer, sur quel horizon de temps, quelles vont être ces réductions, etc. Et donc je pense qu'une analyse complémentaire qui pourrait être menée, c'est justement ce que Daniel a fait dans son papier publié en octobre dernier, c'est d'étudier des scénarios contrastés
pour justement essayer d'éclairer sur les possibilités que peuvent offrir ces technologies dont on connaît finalement encore pas grand-chose en termes technico-économiques et systémiques, bien souvent. La volgende vraag luidt, comment expliquer cette forte sous-estimation de la production des éoliennes alors que les hypothèses étaient trop optimistes sur le coût des énergies renouvelables? Ah non, c'est l'inverse. Les hypothèses étaient trop pessimistes. Excusez-moi, peut-être que je me suis mal exprimée. Je me suis mal exprimée. En fait, les hypothèses d'évolution des coûts d'investissement des énergies renouvelables étaient trop pessimistes. Donc, ces hypothèses n'ont pas intégré, je dirais, l'impact des mécanismes de soutien qui ont eu un impact considérable sur la baisse des coûts, mais également la concurrence au niveau international pour les éléments technologiques pour fabriquer donc ces sources d'énergie renouvelable. Donc, désolée, probablement que je n'ai pas été claire, mais c'est l'inverse. We kunnen ook ondertussen even melden dat de slides beschikbaar zijn op onze website. Oui, je viens de voir un message et donc les slides sont disponibles à présent sur notre site. Er zijn voorlopig geen nieuwe vragen meer, Dominique. Misschien nog een minuutje wachten om te kijken of er nog nieuwe vragen zijn. Maar sowieso al bedankt voor deze presentatie en willen ons aan de kijkers en de aanwezigen ook zeker excuseren voor de technische problemen. We hopen dat dat natuurlijk een eenmalig feit is en dat het niet meer zal gebeuren. Ik krijg geen nieuwe vragen meer binnen, dus ik stel voor dat we het webinar hier afsluiten. Nogmaals bedankt, Dominique, voor uw presentatie en voor het antwoord op de vragen die er geweest zijn. Ik dank iedereen die aanwezig was en de technische dienst achter de schermen voor de aanwezigheid en voor uw geduld ook bij de technische problemen die er geweest zijn. En we verwelkomen u uiteraard graag terug op een volgend webinar die weer via de geëikte manieren zal worden gecommuniceerd. Bedankt voor uw aanwezigheid en graag tot een volgende keer. Fijne middag. Peut-être simplement rajouter, Yannick, que s'il y a d'autres questions, elles peuvent m'être envoyées directement par email, donc je me ferai un plaisir d'y répondre. Uiteraard. Dus mails kunnen steeds gestuurd worden, zowel naar mijn e-mailadres als naar het e-mailadres van Dominique. En dat is dg@plan.be. Dus je kunt steeds mailen en als ik mij niet vergis, gaat het webinar ook beschikbaar worden gesteld online achteraf. En de slides zijn, zoals gezegd, beschikbaar op de website.